Ana de Armas et Ben Affleck étaient en couple depuis près d'un an. Ils avaient fait l'objet de soupçons depuis le début du mois de mars 2020, des soupçons rapidement confirmés par leurs nombreuses sorties en tête-à-tête lors du premier confinement décrété contre la propagation de la COVID-19. La future héroïne du film Mourir peut attendre, le nouvel épisode de la saga James Bond, en salle le 31 mars prochain, avait même rencontré les trois enfants de Ben Affleck. Le couple s'était installé ensemble, chez Ben, dans le quartier de Pacific Palisades à Los Angeles. Le héros du film Gone Girl souhaitait à l'époque qu'elle passe du temps avec ses trois enfants. La vie continue pour Ana, qui a réalisé sa première apparition pour structure dans une série diffusée sur YouTube. Elle s'exprime en espagnol dans le premier épisode de la deuxième saison de Sir Mama et de Madre et adresse un message à une amie, message écouté avec émotion par les animatrices de la série, Limara Meneses et Claudia Mouma. Ana de Armas a profité de cette figuration pour montrer son nouveau look. La jolie brune est désormais coiffée de cheveux bruns et mi-longs, lui tombant tout juste au-dessus des épaules. Ce carré et sa frange ont suscité de nombreuses réactions, globalement positives. Let's block ADS. Why?